Son Excellence Monsieur Christophe Guillou, ambassadeur de France au Cameroun. Cher ambassadeur, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, pourrions-nous avoir l'idée des centres d'intérêt qui ont meublé ces entretiens avec le président Biya et surtout les conclusions auxquelles vous êtes arrivé? Alors, oui, je sors d'une longue audience avec le président de la République, M. Paul Biya, et nous avons passé en revue la situation internationale, les dernières initiatives prises par le président Emmanuel Macron en faveur du développement des économies africaines, dont celle du Cameroun. Il a réuni un sommet il y a quelques jours et je suis venu présenter les grandes conclusions, même si le pays était représenté par son ministre des Finances, M. Motazé. Nous avons également évoqué la situation régionale. Et puis, enfin, nous avons parlé de la situation ici au Cameroun et des relations d'amitié, la coopération ancienne et profonde entre nos deux pays. Très content des échanges de vues et des analyses que nous partageons avec le président de la République, M. Biya. De tous ces sujets, est-ce qu'il y a un en particulier qui aura le plus retenu votre attention? C'était à la fois la situation régionale et les perspectives au Cameroun.